Killer kill zone, killer like a beating. Since you're clean, jump, killing in the ways of the base, stop breathing. Do not make a sound on your feet when you're leaving. Suffocate mind, stay dark, heart, magic, gonna get a trap. You be sight on a bloodshed, but man, in a mark where you're done dead bleeding. Watch things, they cries, gonna get them locked in the ways of the way. Kill zone, killer like a beating. Since you're clean, jump, killing in the ways of the base, stop breathing. Do not make a sound on your feet when you're leaving. Suffocate mind, stay dark, heart, magic, gonna get a trap. You be sight on a bloodshed, in a mark where you're done dead bleeding. Watch things, they cries, gonna get them locked in the ways of the Oui, bonjour à tous, de nouveau sur la Moselle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus chaud que la dernière fois. Là. Ça y est, c'est enfin l'été qui commence, là. Fini la pluie. Alors ça va, bon, le niveau il a pas trop descendu, il descend tout doucement, mais il est encore assez haut. L'eau est encore assez brune, je me suis rincé les mains, elle est assez fraîche, elle doit être à 15 degrés. Je pensais que les poissons allaient frayer, mais je pense que ouais, ça va venir, mais c'est pas encore aujourd'hui. Quoi. Voilà, alors je suis venu en bateau cette fois-ci, hein. De nouveau, je suis allé à un autre coin, je suis allé à un coin un peu moins profond que la dernière fois, justement un peu plus près peut-être des frayères, des herbiers, tout ça, hein. Parce que la dernière fois c'était un peu mort à part les petits carpeaux et la belle miroir là. Et voilà, comme vous avez pu le voir, je viens d'amorcer là, j'ai amorcé au cobra, j'ai mis 2 kg de bouillette et 1 kg de frolic. J'ai bien éparpillé comme ça, là, comme d'hab. Je vais jeter à la main. Je vais mettre que des bouillettes denses au bout. Peut-être juste une équilibrée. C'est tout. Tout le reste, 3 denses. Et voilà. On croise les doigts encore cette fois-ci. Allez. Bon, les amis. Pour l'instant, les poissons, ils ont pas trop faim, là, j'ai l'impression. J'en ai seulement entendu une à l'instant qui vient. Mais sinon, toute la journée, rien. Par contre, moi, c'est pas mon cas. Hein. Regardez. Voilà. C'est pas belle la vie là. Ce soir, qu'est-ce qu'on a? On a une petite salade feuilles de chêne du jardin, s'il vous plaît, avec une tomate. Bon, celle-ci, c'est du magasin. 2 roulés de jambon, gingembre confit, oignon, huile de sésame, sésame en graines, et vinaigre de riz et soja sucré. Ça fait un petit peu japonais en ce moment là. Ah, c'est le kiff. Allez, bon appétit.
les amis, là il est 1h15 du matin. Il y a un quart d'heure, j'ai eu première touche, là c'est assez calme, bizarrement. Mais bon, ça va, premier poisson, une jolie commune là qui dépasse les 12 kg de l'eau facilement. J'ai pas pesé encore, mais je verrai ça demain, je vais pouvoir faire des belles photos. Il va faire super beau là. Prendre les waders, aller en bordure, faire des belles photos. Voilà, j'ai relancé, j'ai pas réamorcé parce que ça mord pas, comme je disais. J'ai mis pas mal en arrivant. Alors, vu que ça mord pas, j'ai pas réamorcé. On verra. On verra s'il y en a d'autres qui vont mordre. Allez, croisez les doigts. Voilà. Retournez se coucher. En espérant la mama. Yes. Voilà, je vous présente la petite commune prise à l'instant là, il doit être 4h30, 5h du matin. Ah, deuxième poisson là, ça fait plaisir. Yes. Ça va la relâcher la petite cocotte. Yes. Bon les enfants, nouvelle touche là, direct là. J'étais en train de me recoucher et ça a déroulé direct. J'avais pas remarqué tout de suite parce que j'ai mis les back leads et j'avais une canne qui était pliée. Et en fait c'était pas la canne là que j'ai ramenée et j'étais pris dans une autre canne, et en fait c'était l'autre canne qui avait la carpe au bout. Alors j'ai tout décroché là, j'ai pris l'autre canne en main, j'ai ramené un peu et malheureusement ça s'est décroché quoi. Ah bon, c'est bon signe là, j'ai l'impression que les poissons ils sont arrivés là d'un coup là. Je pense que ça va continuer encore un peu là le matin là, c'est toujours bon. Bon, je vais essayer de me faire encore une petite sieste un peu là parce que les nuits sont courtes là. Allez. Alors les amis, c'est le petit matin là, quatrième départ, troisième poisson de sortie, une belle commune là, on voit qu'ils ont déjà commencé à frayer parce que il y a les flancs qui sont un peu, regardez les flancs, une belle petite boule là, ça. Voilà, c'est magnifique, je vais vite la relâcher hein. Pas les embêter en ces périodes là. Check. Bon, je vous présente le beau poisson que j'ai fait cette nuit là. Attendez, à quelle heure je l'ai fait, je me souviens même plus. À 1h du matin, je crois, ouais. J'ai pas pesé, mais ça doit faire dans les 13 kilos, je pense. Elle est bien rouge. Yes. Mouah. Ah bah, elle était en forme celle-là. Pas voulu attendre. Hein. Allez. Bon, ça y est, j'ai rejeté les 4 cannes. Hein, pour que ça pêche comme il faut. J'ai remarqué que j'avais tous les départs sur les deux cannes de gauche, celle le plus dans le chenal. Du coup, j'ai tout décalé un peu vers le chenal parce que les deux autres elles pêchaient vraiment. Pas profond quoi, et rien du tout, ça a rien donné, alors j'ai tout décalé vers le chenal. J'ai fait mon petit réamorçage là, au cobra, au frolic et aux bouillettes. Et franchement c'est génial, là. On amorce là, pas besoin de se casser la tête, rien. J'ai essayé d'aller faire la photo du poisson au bord avec les waders, mais en fait c'est trop profond là où je me suis mis. Il n'y a pas beaucoup de fond quand on saute comme ça, mais en fait c'est de la vase et je me serais enfoncé dedans et j'ai pas envie de. Vu que j'ai pas d'annexe, c'est juste ça le petit problème quoi, voilà. Mais c'est pas grave, je fais une photo sur le bateau. Si vraiment je fais une grosse mama, là j'irai, mais là. Ah c'est bon.
préfère continuer à faire d'autres poissons et pas faire de bruit. Ah, maintenant je vais prendre le petit déj, café et une bonne omelette. Yes, allez. Bon, pour les possesseurs de bateaux cabines, une petite astuce toute simple. C'est ça ce qui est bien quand on a les fenêtres projetables qui s'ouvrent comme ça et pas les coulissantes. C'est ce que j'avais avant, coulissante, c'était super bien, c'est déjà mieux que 10 fois mieux que rien, parce que rien, franchement, on crève là-dedans. Quand il n'y a pas de fenêtre, il fait 50 degrés là-dedans. Là, il fait 1 ou 2 degrés de plus que dehors, pas plus. Alors, j'ai ouvert les fenêtres de côté, là. Tac, tac. Vous voyez. Et par-dessus, j'avais deux grandes serviettes, j'ai mis les serviettes, là où le soleil il tape, et magnifique, je me crois. Vraiment, comme en été, comme un... C'est vraiment comme ça me fait penser à l'été quand on ferme les volets là et tout. C'est génial. Génial. Alors un petit coup de télé. Et plus qu'à attendre le départ. Allez. Bah ben voilà. Pleine journée là. Il doit être 12h30. Plein soleil. J'ai relancé les cannes et voilà, direct. Petit départ. Toujours en plein dans le chenal. La canne à plus dans le chenal. Même que j'ai décalé, je l'ai mis encore plus dans ce chenal. C'est ça là qui a déroulé. Et toujours le même gabarit. Ouais, je pensais que c'était plus gros, mais elle avait la patate, l'eau elle est fraîche, là, elle a 15 degrés. Ça coule bien encore. Alors, il y a de l'oxygène. Elle doit faire une douzaine de kilos. Et, je suis content. Hein. Cinquième départ, quatrième sortie. Check. Voilà. On va vite la remettre. Mouah. Regardez où c'est que je mets le tapis de réception. J'ai pris ma petite table là que j'ai pour pêcher du bord. D'habitude là, que je pêche du bord. Et voilà, je l'ai mis là. Comme ça, j'ai bien accès à la plateforme des deux côtés. Et dès que je sors le poisson, je le soulève, je le mets là-dedans. Je ferme le scratch. Après, je le descends par terre. Et je la décroche par terre. Et je fais la photo après. Tac. J'allais relancer la canne là. Et regardez, une autre qui est partie. Ça a l'air beau. Hein. Ah ouais, c'est bien épais là. Ah, on va la sortir tranquillement. Magnifique. Ah, en pleine journée. Alors ça, c'est vraiment le... Le summum du plaisir, quoi. Yes. Bon, voilà, les amis, c'est vraiment magnifique, là. La pêche comme ça, ça, faut en profiter. Hein. Comme je disais avant, j'étais en train de relancer. J'ai même pas eu le temps de relancer la canne qui est partie, là, que j'ai fait la jolie commune, là. Et boum, l'autre juste à côté qui déroule aussi, comme une furie. Ça monte en poids, là. Hein. Regardez-moi ça. Check. On est venu là pour ça. Ah, merci la Moselle, merci. Ah, ça faisait longtemps que j'attendais ce moment là, hein, des départs et des départs, parce que j'en ai fait des capots. Hein. Allez, on va pas là. Il fait chaud là, on va vite la relâcher. Check. Cinq sorties, 6 départs. Ah, ça c'est bon. Moyenne de facile 10, 11, 12 kilos, je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien pesé encore. Allez, j'espère que ça continue. Tester les bait screw là, ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, seul petit défaut que je leur trouve, c'est qu'ils sont un peu courts là. Et c'est les plus longs, ils font 21 mm. Et ah, je sais pas si ça va tenir. Oh, attendez, je fais la mise au point là. Je sais pas si ça va bien tenir quoi. Hein. Là,
la bouillette flottante. Elle n'est pas beaucoup dedans. Il faut couper un peu la danse, mais bon, vu que moi j'ai des fées maison que je suis obligé de mettre un wrap, je peux pas trop la couper. Il va falloir que, en fait, que je les prépare à l'avance, que je coupe mes bouillettes maison à l'avance, les bouillettes flottantes à l'avance, et que je les wrap ensemble toutes les deux pour que ça soit plus petit, pour qu'ensuite je le mette dans le vis, dans le bed screw. J'aime bien parce que la bouillette elle est un peu plus espacée de l'hameçon, de encore plus à cause de l'anneau là qui est en plus de 5 mm. Oh, j'aime bien ça, plus c'est long, mieux c'est, je trouve. Plus c'est articulé. Et le fil là, ouais, je suis content. Hein. J'ai pris au rayon Carnat, là, c'est du Zebco Trophy spécial silure en 55 centièmes. J'ai pris, vu que moi je pêche en 60 centièmes, j'ai trouvé du 55, mais ouais, solide à mort. Et en plus, quand on tend, il reste bien droit, il n'y a même pas besoin de le chauffer là. Bien droit, magnifique, magnifique. Magnifique. Voilà ça. C'est vraiment pour moi le dé parfait. Ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser d'inline, mais les pierres et les plombs se font rares. Alors je préfère les garder pour dans des circonstances où il y a plus d'obstacles et plus de cassures, où j'en ai vraiment besoin, quoi, plutôt que les user bêtement ici. Là c'est assez plat, assez propre. Alors je vais juste une canne tester pour voir si jamais ça marche bien. Je mets toutes les cannes comme ça. Voilà. Ouais, j'espère que je ne fais pas une bêtise. Voilà, moi j'ai mangé, hein, bah, depuis avant je fais que ça, là, goûter, apéro, salade, plein de résistance, café. Ça s'est calmé, le vent et tout, c'est tout plat, alors j'ai eu l'idée de sortir le drone un coup. Je suis à peine parti, là je suis allé direct au-dessus de mon cou, qu'est-ce que je vois direct, une carpe en train de se nourrir, tranquille, tout, et moi ça mord pas depuis 13 heures là. Et elle se nourrit et tout, alors j'ai énervé, j'ai regardé où était le drone, j'ai relancé exactement dessus, quoi. J'avais qu'une bouillette dense, j'ai mis une blanche parce que l'eau elle est très 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 sale, hein. Franchement, quand je vois sur Facebook là où tout le monde pêche, là c'est transparent, c'est bleu, c'est magnifique ici, c'est... Bon, c'est beau comme ça, mais l'eau elle est atroce, hein. Et en plus il y a des trucs qui flottent en surface, et les trucs des stations d'épuration là, c'est vraiment pas agréable, quoi. Mais bon, alors du coup je me suis dit peut-être qu'elle voyait pas ma bouillette, hein. J'ai mis une blanche en plus au bout, une équilibrée, quoi, pour faire un bonhomme de neige, mais juste histoire de... Parce que toutes les autres j'en avais aussi une blanche, et celle-ci... C'est la seule où j'avais pas de blanche dessus et pas partie, alors voilà, peut-être parce qu'elle était vraiment pas loin de ma canne, elle voyait être biglée, j'en sais rien, mais... Et puis voilà, maintenant j'ai relancé un peu presque toutes les cannes, là, je vais plus toucher là, parce que visiblement elles sont dans le coin. Je vais aller regarder la télé comme d'hab, et attendre, et croiser les doigts en espérant faire un miroir là, pour l'instant j'ai que fait des communes. Et un beau fish, quoi, aussi, ou bien des belles écailles, ou bien une big mama là. J'ai pas encore fait de très très grosses cette année là, et bon, c'est déjà bien que j'en fasse, ouais. Allez, on va patienter encore, allez. Thank you.
Oh ben voilà, il suffisait de demander. Je voulais une miroir, ben j'ai une miroir là. Et pas vilaine en plus. Oh, je la mets dans le sac, je la pèserai demain, je ferai des belles photos, vidéos demain. Ah, c'est 7e départ, 6e poisson de sortie. En plus, c'est là où je l'ai vu en drone, là, ça se trouve, c'est la miro, c'est une miro, c'est celle-ci que j'ai vue. Elle a mis 2-3 heures à revenir, peut-être. Et elle est partie, la canne que j'ai lancée là où. Nickel. Yes. Ah, elle a failli me faire oublier mon croque-monsieur, mais ah, j'ai pas paniqué. Je suis rentré avec la canne en marche arrière dans la cabine et j'ai éteint le gaz. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois comme ça. Bon, allez. Check. Ah, voilà. Ah, j'étais obligé de vous montrer quand même. Ça, c'est magnifique, ça. Ah, celle-ci. On va faire des belles photos demain. Yes. Bon, il est 2h du matin là. Encore une petite commune de sortie là. Tu vois, j'ai pas filmé rien. J'ai tout de suite relâché. Bon, c'était pas gros. Ça faisait 7-8 kilos là. J'ai direct relâché. Ben, ça fait plaisir. C'est 7e poisson de sortie, 8e départ. Ben, ça, c'est bon. Allez, on croise les doigts. Encore que ça continue. Bon, ça y est, pêcheur là, il est 3h47. À 3h15, là, j'ai eu un nouveau départ de nouveau. C'est le 9e départ, 8e poisson de sortie. Et de, ah, elle a une pépite, une belle miroir aussi de nouveau. Que ça a aussi dans les mêmes poids que l'autre là. Demain, je suis curieux de peser ça, mais ça a l'air lourd. Hein. Ah, ce petit matin, de nouveau un beau départ là. Allez, moi ça. Une belle commune là, bien nerveuse. C'est le 10e poisson de la session. Yes! Allez, la relâche. Voilà. Elle veut pas me laisser dormir. À peine rejeté. Une demi-heure là. Trois quarts d'heure. 11e poisson. Et je peux vous dire que celle-ci, elle en voulait. Hein. Elle en veut encore. Ouais. Allez, regardez-moi ça. Elle a fait un tout petit départ, mais j'ai tout de suite senti que c'était lourd là. Très 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 lourd, pas de coup de tête. Mais je l'ai ramené assez rapidement. Hein. Et regardez-moi, c'est un bœuf. Ah, ça passe la barre des 20 facile ça, hein. Sûr et certain. Ah, une miroir en plus. Allez-moi ça. Poulololo. Ah voilà, comme quoi il faut jamais perdre espoir. Hein. Bon, je ne perdais pas espoir parce que c'est déjà une belle session bien réussie. Mais là, je pense que c'est le dernier fiche. La canne, je la relance pas en tout cas. Hein. Mais là, je vais encore prendre le petit déj, j'ai encore 3 cannes à l'eau. Et là, j'avais un poisson, je sentais que c'était lourd, mais ça tirait pas. Je l'ai ramené assez rapidement. Mais direct, quand j'ai vu la silhouette dans l'eau, j'ai fait comme ça, j'ai dit, ça là, plus de 20, une miroir, magnifique, je l'ai enfin. Ben, les autres aussi, je pense qu'ils s'approchent des 20 et peut-être qu'ils dépassent. Et celle-ci, elle les dépasse largement. Voilà. Yes, yes. Merci. Maintenant, bon petit déj. Heureux. Voilà. Après, je vais... Une fois que j'ai pris mon petit déj, tout ça, je vais sortir les cannes. Ranger un peu. Me diriger vers le bord et faire des vidéos, des photos. En plus, il y a du soleil pour une fois. Tip top. Check.
Allez, viens, allez. Allez, Malou, ça va. Elle a senti la liberté. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Je vous présente la première miroir de la session et le premier bœuf aussi. Yes. Ah. Ah, je m'enfonce. Tellement qu'elle est lourde, je m'enfonce. Yes, check. Check, man. Allez, je vais la relâcher. Mouah. Ah, ma cocotte. Merci. Désolé de t'avoir embêté. Ah, le mousse, elle est en forme, hein. Elle est bien en forme. Et à chaque fois je m'enfonce. Quelle galère. Yes. Deuxième poisson, deuxième miroir, pardon. Regardez-moi cet écaillage magnifique. Je veux pas. On va la tourner. Et celle-ci. Il faut s'en souvenir. Hein. Check. Yes. Allez, je la relâche. Merci. Ah, les amis, je vous présente le dernier poisson que j'ai attrapé ce matin. Comme quoi, j'ai eu de la chance là de pêcher, de relancer les cannes. Ça valait le coup. La plus grosse à la fin, une miroir. Et quelle fiche! Ça passe la barre. Yes! Largement! Yes, check. Une boule de Moselle comme on aime. Une belle maman qui est pas contente. Allez, calme-toi ma belle. Calme-toi ma belle. Yes. Oui, oui, check. Check. Heureux, heureux. Premier poisson qui passe la barre 2021. Je suis content. Yes. Pouh. Oh, l'autre côté. Bon, vous voyez, pas besoin de zot, pas besoin de tirer les lignes. Oh. Je tire tout à la main, à l'ancienne, j'amorce au cobra. Suffit de trouver le poisson. Et un peu amorcer, ne pas faire de bruit. Allez, what's the bœuf? Yes! Ah. Yes!
Allez, je vais pas l'embêter plus longtemps. Elle va aller voir ses copains et ses copines. Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, elle est heureuse là. Ah, comment qu'elle part. Oh les vagues qu'elle fait. Oh là 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 là. Magnifique. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder ma vidéo que moi à la faire. Je vous souhaite une bonne déroule à tous. Et à bientôt. Et check.